Là, je suis quand même bien forcé. Je sais travailler mon explosivité et ma technique. Donc, je ne vais pas mettre super lourd hein, pour mon 3x3. Étant donné que j'ai fait un doublé à 200, je vais mettre 160. Bon, pour certains, ce ne sera pas une charge de ouf, mais hey, je suis un papy, hein, je vais sur mes 40 piges. Pour le temps de récup, je prends entre 3 et 5 minutes. Des fois plus, des fois moins, ça dépend comment je me sens. Si je me sens bien pour partir, je repars. À chaque fois, j'écoute pour m'énerver quand je dois faire des perfs, j'écoute Machiavelli Motivation. Toujours. Bon, deuxième exo, là on enchaîne, traction, là la séance ça sera en mode body, donc je vais faire beaucoup de reps, on va rester dans une fourchette de 12 et 15 répétitions. Dans mon programme PPL, début de semaine, pas beaucoup de reps, on travaille un peu plus la force et d'autres types musculaires, donc c'est 6 à 10 répétitions max, et la deuxième partie de mon PPL, je fais toujours 12, 15. Sauf sur le premier exercice, comme vous avez pu voir là pour le deadlift. Ceinture lestée Fitness Park, j'ai oublié la mienne. D'ailleurs, bientôt, normalement, je vais recevoir une ceinture lestée d'une petite marque très sympathique. Je vous en parlerai plus tard. Justement, c'est de là d'où vient ma ceinture. Je vous présente la marque bientôt. Je suis en test, donc ça sera sûrement un futur sponsor. Bon là on va mettre les bandes, ça faisait longtemps que je les utilisais plus. J'avais dit dans la première vidéo où je monte ma séance pull que je les réutilisais pour moins solliciter les avant-bras sur les tirages. Puis ça permet de prendre largement plus lourd. Et vu que là je suis en mode plus body, on les prend. Biceps performance, comme la ceinture. On en reparle dans une prochaine vidéo. Ce qui est bien avec les sangles, je force pas sur ma poigne, je force pas sur mon avant-bras, je peux me concentrer sur tirer mon coude vers mon rond dorsal pour sentir la contraction. Du coup je prends pas tout sur le bras. Alors, des fois si vous mettez lourd, vous prenez là, vous tirez là, vous prenez tout sur le bras. Là je peux vraiment me focus sur le rond dorsal. Deux exercices de tirage
horizontaux, deux exercices de tirage verticaux. Un autre exercice d'isolation. Hein ? D'isolation. Ouais. Et après, deux exercices arrière d'épaule. Et un exercice de biceps. C'est long quand même, hein ? Ouais, ça fait des gros biceps. J'aime bien cette machine, elle vient d'arriver à Fitness Park. Merci Fitness Park. Là, en prise supination, on peut vraiment mieux cibler le grand dorsal. Le bas, ok. Justement, moi j'ai envie de focaliser sur le bas. Donc dès que vous voulez focaliser sur le bas du grand dorsal, supination, supination. Il est là, il est là. Ça va, quoi? Ça va. La forme, quoi? Tranquille. Lui là, il va faire une vidéo avec moi dans pas longtemps. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le coach de Arthur Gaines. Alex. Il prépare une compétition. Ouais. En plus, il s'entraîne dans le même fitness park que moi. Je sais pas, il s'est perdu à Reims. Il est venu en province. Je sais pas pourquoi. Donc normalement, on devrait tourner une vidéo ensemble. Faire une de ses séances. Ouais. Il faut entendre qu'on avait prévu ça, mais il manquait quelqu'un pour filmer. Et là, je crois que j'ai trouvé un nouveau caméraman. C'est carré alors. Donc, normalement, ça devrait être carré. Et puis la salle, elle est un peu mieux ici. Donc, je pense qu'on va faire la séance ici. Hein. Ouais, bah, je suis chaud. Hein. On choisira le muscle que tu voudras travailler. Ouais. Sinon, ça se peut, on en fera plusieurs. Ouais, ça vient d'en faire plusieurs, autant en profiter un max. Ouais, c'est sûr. Et que tu prépares une compète la FBBN, sûrement. Ouais, normalement, ouais. En mai, du coup. J'ai le temps du coup pour ouais. Avant que je sois KO. Moi je suis en train de me chauffer, je sais pas encore. Pour fêter les 40 piges, faire une compète, peut-être la FBBN, je sais pas encore. Je sais pas, faut vraiment que je vois s'il y a moyen d'être focus à fond dedans quoi. Ouais, comme on a dit. Ouais, faut pas qu'il y ait trop de travail à l'extérieur, etc. Ça, c'est, c'est comme on avait dit, bah si on fait une compétition c'est pour gagner quoi, c'est pas pour participer quoi. Ouais. En général, c'est pour gagner quoi. C'est la mentalité qu'il faut avoir, moi je trouve, en tout cas, tu vois. Ouais. Peu importe le résultat final, tu vois, ça, mais il faut penser à gagner quoi. C'est ça. Hein. Que ce soit pro ou perso, franchement, à 100%, tu vois, comme ça, t'as pas de regrets. Et tu donnes à 100% surtout, tu vois. C'est ça. Ça, c'est important. C'est la diète, ça va être dur, ça va être dur. Ouais. Ça va être dur. Parce que là, ça va, t'as 4 mois. Ouais, 4 mois. Ouais, ça va. Mais là, il m'a dit c'est bon, on touche pas cette semaine, ça continue bien drop. Ouais. Il m'a dit c'est bon, on garde ce rythme au moins pour une semaine encore, tu vois. Ouais. Mon ambassadeur, j'étais content. Parce que là, je sais que c'est maintenant où, tu vois, là j'ai commencé à me la donner vraiment. Donc, j'ai hâte, mais je sais que ça va être dur. Hein. Tu peux expliquer un peu pourquoi tu t'inquiètes? Alors, là j'aime bien le faire en unilatéral, à la poulie. Et j'aime bien rester une demi-seconde en contraction. Et le fait de rester une demi-seconde, tu vois, bah, ça va m'aider à mieux sentir le muscle, tout simplement. Et pareil, là je fais du supination, c'est pour vraiment sentir le grand dorsal. Alors que si j'aurais tiré en pronation, j'aurais été plus... au niveau des rhomboïdes, des trapèzes, etc. Tu vois, quand tu tires là. Bon, tu cibles aussi le grand dorsal, mais moi, là, le fait de le fait de bien ramener le coude là, ici, là. Normalement, dans le vide, si tu fais ça, tu ramènes ton coude ici, là,
ton rang dorsal il se contracte. Là tu fais ça, il se contracte aussi, mais pas aussi bien que si tu es en supination, tu vois. Et vu que moi j'ai envie de travailler un peu plus là-dessus sur cette séance, pour ça je fais beaucoup de supination. Après sur le reste de la séance, on reste sur du pronation, tu vois. C'est pour ça que c'est bien de varier les prises, varier les angles, horizontal, vertical, neutre, supination, pronation, pour travailler l'ensemble du dos. Enchaîner le deltoïde postérieur, l'arrière d'épaule, donc superset en bicep, on va dire, parce que bicep c'est le même muscle, superset c'est un muscle différent, antagoniste. Fist pull et poulie viavi, oiseau, on enchaîne. Il y a un truc que je fais au niveau du face pull, c'est que la plupart des personnes ils font ça. Ils sont là, ils tirent au niveau ici là, des yeux. Moi je préfère tirer au niveau de la poitrine. Tout simplement parce que quand je tire au niveau des yeux, je ressens plus mes trapèzes que mes deltoïdes postérieurs. Du coup je préfère tirer vers la poitrine, j'aligne mon coude à mon deltoïde postérieur, je gonfle la poitrine quand je tire et là je ressens bien le deltoïde postérieur. Alors que sinon si je tire vers mes yeux comme ça, ici, je suis en direct au niveau de mes trapèzes et de mes cervicales. C'est tombé. Mon dernier exo, on fait les biceps. Des fois, je vais les faire en supination normal. Mais là, je vais prendre une prise neutre. Du coup, on va travailler un peu plus le brachial et le long supinateur. Ça me renforce pour les tractions, c'est pas mal ça. Donc, ça dépend des jours. Hein. Des fois, je suis plus là. Mais là, aujourd'hui, on a envie de travailler un peu plus cette partie-là du biceps. Donc, curl marteau, simple. Tu prends combien pour ça? Hein? Marteau, du coup. Je m'en fous de la charge, c'est mon ressenti, vu que là j'ai beaucoup de reps. Je fais 12 de chaque bras, je prends pas super lourd. On va commencer par 16, on va 18. Ok, la séance elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. Deuxième séance pull de mon programme PPL, push pull leg. Il me restera les 200 jambes à vous montrer. Ça arrive, hein. J'ai gardé les jambes en dernier pour vous, d'accord. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Là, j'ai un caméraman, c'est pas à titre, d'habitude c'est à titre. Mais en ce moment, il n'a pas le temps, il travaille beaucoup. Donc de temps en temps, il peut être là. Mais là, j'ai trouvé une nouvelle personne pour me filmer. Et grâce à cette personne, je peux vous faire des bons plans et des meilleures vidéos que si je suis tout seul à poser le trépied, etc. Donc force à Mel qui est derrière l'écran, je mettrai son Instagram, vous pouvez le suivre. Il fait du street lifting, du street workout et il s'intéresse pas mal à la vidéo. Et du coup, bah, il va commencer avec moi et on va voir ce que ça donne. Post-workout, simple, hein. Toujours post-workout, je prends toujours une banane. Mon shaker avec ma whey QNT, vous avez moins 20% avec le code CrewDragon les gars, sur tous les compléments alimentaires. Dedans il y a 30 grammes de whey et de la créatine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On lâche le petit like, le petit commentaire. Là je pense que la vidéo va sortir, on sera en 2023 parce que là actuellement on n'est pas encore 2023. Donc bonne année à vous les gars, force pour cette année. Cette année je vais essayer d'envoyer du lourd, restez connectés. Et puis bah, pour me donner la force, vous savez ce que vous avez à faire. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training.